Eh bien, salut à tous les amis, c'est Lucas Yuko. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez particulière. Donc, regardez cette épi, maman. On se retrouve sur une nouvelle vidéo, elle est assez particulière. Donc, là, je vais vous présenter du coup ma nouvelle maison. On met des belles chaussures bien soignées, bien sales. Là, je vais aller rejoindre ma mère en vélo. Et je vais vous montrer du coup ma petite maison. Je vous montrerai aussi là, il y aura mon petit setup, YouTube, Twitch, tout ça. Là, sûrement, je ferai aussi quelques petites vidéos TikTok. Mais j'avoue, TikTok, là, je suis plus concentrée sur YouTube en ce moment. Donc là, je vais partir prendre le vélo. Je pourrais pas trop filmer. Et hop, un vieux vélo de la Hesse, bien soigné. Attendez deux. Ah voilà. Je suis même pas sûre que mon vieux vélo va y tienne encore. Ok, j'ai réussi à monter dessus, c'est déjà cool. Donc là ouais on va. Oh, attendez. On va partir. Regardez-moi ce beau village là. Comment il va le petit homme? Prends ta grossette là. Connasse. Bon, là on a vu le Big Tom. Big Tom là, il y a la kermesse. Demain j'irai sûrement avec Maxence. Je sais pas si je ferai une vidéo avec. Ma chaîne YouTube elle va commencer à partir plus dans les vlogs, tout ça. Très bientôt. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Je me suis passé aussi à ça là. Pour voir toutes nos vidéos vlogs avec Max. Donc là, on se garde avec une machine. Hop. C'est toujours dans mon même village, hein, c'est juste un peu plus. Mais parfois j'accélère un peu donc on ne voit pas. Mais il y aura pas mal de séquences coupées. Hein. Hop là. Le pneu il a pas l'air ouvert. Oh putain. Il y avait un big caillou sur la route. Bon j'ai volé. Bon on repart. Oh putain. Wow. Je crois que le pneu il a quand même pris un choc. Wow. Il y avait un gros caillou là sur le trottoir. Et ensuite après j'ai glissé là en dessous. Enfin juste avec la roue arrière. Ça m'a démoli le dos. Oh regarde. Là il y a la maison à Clem Vador. Clem Vador, n'hésitez pas à aller vous abonner. Clem tiré du bas Vador. Bon là je vais du coup chez moi. Donc là en avant on va commencer à poser les fenêtres. Voilà donc on a posé les tuiles il n'y a pas longtemps. Je vais vous faire visiter l'intérieur. Là on a un petit passage pour les voitures. Et tout ça. Oh on a reçu la porte d'entrée. C'est nouveau tout ça, hein, une autre fenêtre. Moi j'ai pas encore vu, je redécouvre avec vous. Oh on garde le vélo. Ici mon coin setup où je ferai toutes mes vidéos YouTube. Donc là ma chambre. Donc là on est en haut. Parce que sans faire exprès, j'ai coupé une partie. Là la salle de bain de moi et Noah. La chambre de Noah. Là un petit bureau pour mes parents. Et donc là, on va descendre. Je vous laisse 2 secondes. Ok, c'est bon. On descend.
là, je sais pas si j'ai déjà passé, je verrai au montage. Donc la chambre de mes parents, là-bas dressing, ici salle de bain, ici les toilettes, ici un patio pour l'été. Oui, mais j'ai coupé la vidéo. Là, d'autres fenêtres et là en haut, une fenêtre pour le grand salon. Ensuite ici, la terrasse là-bas derrière. Ici, salle à manger avec encore sur le patio. Ici, cuisine. Encore sur la terrasse. Il y aura beaucoup de fenêtres. C'est là. Un petit CD avec une petite ouverture pour voir ce qui reste dans le stock. Et ici, donc, un local technique avec derrière. Voilà, hop. Le jardin qui va jusqu'aux deux grands cerisiers là-bas. Voilà. On pourrait jusqu'à là, si vous voyez quoi. La fin. Donc voilà, c'était Lucas Yuko dans ma nouvelle maison. N'hésitez pas à aller vous abonner, à lâcher un petit like, à activer la cloche des notifications pour savoir quand moi et Noah, ou de moi avec d'autres personnes, on sortira des vidéos. Donc sinon les gars, c'est Lucas Yuko, on se dit à la prochaine. Ciao. Yo les gars, donc je suis sur le chemin du retour et juste pour dire qu'au total ça fait 140 mètres carrés, 145, 150, je sais pas exactement, mais en tout cas 140, 150 mètres carrés. Voilà, c'était tout, donc ciao, ce sera un peu plus tard dans un générique.